Después de haber terminado la carrera y de haber hecho ya varios estudios acerca de la industria de la música y de la música en sí, noté como que había una falta para acceder a un proceso, pues, al trabajo o a cualquier tipo de puesto, y decidí que Mewen era como el mejor programa para conseguir estar en formación con las profesionales de la industria musical. J'ai noté un déséquilibre depuis vraiment une douzaine d'années, à partir de 1 ou 2 ans d'expérience. Et puis là, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un petit peu plus de visibilisation du problème, un petit peu plus de mesures aussi d'études, notamment des assises des femmes dans la musique, de la SACEM, de pas mal d'institutions. Et par ça, j'ai commencé à regarder un petit peu qui faisait des initiatives. J'ai vu des choses faites par Mewen, mais notamment des podcasts aussi. Fait avec Deezer via Rachel Cartier, qui est aussi une mentor depuis quelques années. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout intéressant aussi le focus sur l'entrepreneuriat, qui est assez différent d'autres programmes de mentorat où moi, par ma carrière un peu mixte de label et d'agence, je me retrouve un peu moins. Donc j'ai proposé de participer, et puis quelques mois après, on en a rediscuté et donc j'ai commencé cette année, je suis très contente. J'avais entendu parler d'anciennes mentorées qui me parlaient de tout ce que ça l'avait rapporté personnellement et professionnellement. Et bah, quand tu commences, tu as besoin parfois d'un petit boost. Et je me suis dit, tiens, ça peut être la bonne solution pour avoir ce petit boost. Donc je me suis inscrite pour chercher de la représentativité et de la force personnelle. Et puis le fait aussi de voir, je pense aussi, d'autres femmes qui faisaient la même chose, me sentir moins seule. Compartir tus vivencias y que te entiendan, y todo ese tipo de cosas hace que de alguna manera impulse muchísimo más tanto tu actitud y tus ganas como de lanzarte al mercado laboral de la industria, y puedes conseguir muchísimas más oportunidades a nivel profesional y personal. Plein d'avantages. J'ai déjà trouvé intéressant de voir d'autres rôles modèles femmes avec une expérience différente, parce que au-delà du sujet parité, il y a un sujet aussi d'âge. Dans les métiers de la musique, dans les métiers de la créativité, en général, on ne voit pas beaucoup de femmes de plus de 45 ans. Donc c'est important d'avoir des rôles modèles aussi qui ont réussi à faire une carrière complète, si je puis dire. Parce qu'il faut pouvoir se projeter dans ce métier aussi à un certain âge, sinon de nous-mêmes on s'en va. C'est le lancement en fait qu'on a fait tout ensemble, dans une salle de concert d'ailleurs. Tout le monde a pitché son projet, y compris les mentors. Et j'ai trouvé que je me suis tout de suite dit, tiens, je prends une claque. Je prends une claque de voir toute cette diversité aussi de métiers dans la musique, mais aussi l'intelligence des projets qui sont proposés par toutes les femmes qui sont mentorées dans la promotion. J'ai trouvé qu'il y avait des âges très diverses, des gens en reconversion, des gens très jeunes, des projets assez divers aussi. Et donc j'étais impressionnée d'être venue dans une démarche de moi donner un peu de mon temps et peut-être de mon expérience en espérant que ce soit utile, et finalement d'en prendre un truc où je prenais une grande bouffée d'air frais. C'était hyper motivant en fait de rencontrer des personnes qui portent des projets, se rendre compte qu'on avait les mêmes questionnements à certains moments, et tous finalement cette force qui fait qu'on est des femmes entrepreneurs. Que debemos aprender las unas de las otras, que estas redes son muy importantes para que todas consigamos una mayor igualdad dentro de la industria musical. Je trouve ça intéressant, même encore une fois dans le sens du programme, le fait de passer 48 heures ensemble avec notre binôme, mais aussi d'autres personnes. Je pense que c'est des liens qui se structurent pour un plus long terme. Et c'est intéressant parce que ça aide encore une fois le programme à être plus pérenne. C'était hyper intéressant de mettre des visages sur des postes et sur des personnes, et de se parler sur toute une journée.
Donc, du coup, avoir fait un peu plus qu'un business meeting, mais finalement d'avoir rencontré des femmes plus que de rencontrer des positions.